Ouvrez bien les yeux. Voici une maison dans une résidence plutôt classe à la campagne, à Noinville. Aujourd'hui, je vous propose une maison à Noinville. C'est une superbe maison contemporaine, hyper haut de gamme. On est quasiment à 200 mètres carrés habitables, plus le garage. La maison a été dessinée et construite par l'architecte charbourgeoise Christelle Maury. On a au rez-de-chaussée ici une pièce de vie de 85 mètres carrés. C'est assez exceptionnel ça aussi. Dans les 85 mètres carrés, on retrouve le séjour, salon, salle à manger. Juste à ma droite ici, on a une belle cuisine qui a été dessinée par les nouveaux agenceurs. Et puis, on a une petite entrée, 4-5 mètres carrés environ, comprise dans ces fameux 85 mètres carrés. Dans cette pièce de vie, il y a quand même une pièce maîtresse à mon avis, c'est cette baie vitrée. On a une baie vitrée de 5,50 m de haut. Donc autant vous dire que la lumière par ici, elle rentre et est exposée quasiment plein sud, elle est sud-ouest. Petit détail sur la baie vitrée, elle est traitée anti-UV, etc. pour que ça ne devienne pas un four dans la maison. D'ailleurs, en parlant de four, le chauffage ici, il est par le sol électrique. Dans ce coin de la maison, on retrouve une chambre, suite parentale, avec un petit côté dressing rangement. Et juste derrière ici, on a une salle d'eau avec une douche à l'italienne. Par ici, assez pratique, on a une partie arrière-cuisine buanderie. Les portes, on a des magnifiques portes partout. On passe maintenant à l'étage. À l'étage, on a un très grand palier qui sert ici de salle de sport, mais on peut y faire un petit peu ce qu'on veut, on peut y refaire un bureau. J'en profite, la baie vitrée ici, elle n'a pas de volet roulant. En revanche, on a des volets roulants sur toutes les autres fenêtres, des fenêtres alu partout et des volets roulants qui sont commandables à distance via de la domotique. La maison est quand même pas mal équipée niveau domotique. Voilà. Sur cet étage, on retrouve donc trois chambres. On a une première chambre ici et on a deux chambres qui servent actuellement de bureau, mais qui ont des volumes vraiment intéressants. Et donc par ici, on a une salle de bain, la salle de bain de l'étage, avec une baignoire, une douche. Et on a une VMC. La maison est équipée d'une VMC double flux. En termes d'isolation, cette maison, ils ont vraiment mis le paquet. Hein. Le DPE est bon, on est en C, mais il y a eu un gros travail sur l'isolation de cette maison, aussi bien par le plafond que les murs ou même par le sol. La domotique de la maison, je vous en ai parlé brièvement, mais elle commande le chauffage via le thermostat, les lumières intérieures, extérieures et également les volets. Nous voilà sur la terrasse, une super terrasse très bien exposée. Le sud est ici, l'ouest est là, on a un angle, donc c'est l'idéal pour les apéros le week-end. Et puis toujours cette magnifique baie vitrée de 5,50 m. Noinville, village paisible proche de Cherbourg. Complexe sportif, chemin de balade bucolique sur les hauteurs de la ville. Pour les études, si vous avez de grands enfants, l'IUT et la bibliothèque universitaire sont tout près. Intermarché sera le plus court chemin pour le ravitaillement. Rendez-vous sur notre site reginevilledieu.com.